Hello, hello, c'est Flo. Allez, Alien Isolation, réalité virtuelle, épisode certainement 31. Ouais. Bon, alors, j'ai laissé la partie sur un putain de suspense. Ouais. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on m'a filé plein de choses. J'ai pu faire le plein, on m'a filé, voilà, des mines. Des mines, des medkits, des munitions de fusil à pompe, de revolvers, des cocktails Molotov. Tout, tout, tout. Pas mal, hein? Des mini-EM, ouais. Des munitions. Mais honnêtement. Et ouais, et j'ai une grosse. Une autre question, tu vois. Ah, vous voyez, c'est Samuel, cela. Ça, bordel, quand je suis passé dans le conduit. On l'a vu, le mec, il a défoncé un synthétique à main nue. À main nue, putain. Moi, j'arrive même pas avec une barre à mine. Enfin, avec une clé, quoi. Et lui, à main nue, il te le défonce, quoi. Alors là, franchement, qu'est-ce qui lui arrive, quoi? Qu'est-ce que c'est, putain? Là, je ne sais pas, et honnêtement, je vais devoir y aller. Je sais pas. Franchement, la tension est à son comble. Parce que je sens que je vais morfler. Je vais morfler, hein, ça c'est clair. Allez, je vais interagir avec l'ordi. On va essayer de déverrouiller les portes en face, hein, je pense que c'est ça. Alors, j'ai fermé la porte d'accès derrière moi. Tes flingues et ton matos me font ni chaud ni froid quand le synthétique que t'avais au cul est encore là, bordel. Je crois qu'il m'a pas vu. Il est debout et regarde tes vieux magazines sur le balcon de la centrale de fuite. Voilà tout de suite et ouvre-moi cette porte. Ok. On résiste. J'ai des armes et des provisions. Et je pars m'installer près de la boutique à l'extérieur de la salle d'expo. La créature, oh putain. Tenez-moi au courant si vous la voyez. Super, donc bon, bah j'ai rien pu faire. Ah! Ah bah tiens, c'est trop bien vidé là. Ouais, je suis plein de partout, hein. Ok, donc je sais pas maintenant ce que je dois faire. Tu marches un peu bizarrement là, non? Ok, on va sauvegarder la partie. Et on va essayer de trouver où il faut aller maintenant. Bon, de toute façon, hein, sans grosse surprise, bah, je vais faire demi-tour. Moins qu'il y ait une porte secrète, mais je la vois pas. Faire demi-tour et essayer d'aller activer la porte, hein, en face. Qui pour l'instant est fermée, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle va s'ouvrir toute seule. Ah merde. Ah mais parce qu'il crève pas. Malgré le gaz. Oh, mais ils sont combien? Je vais me faire fumer là. Oh putain la misère. Allez, je dégage. Oh mais je peux pas traverser. Oh putain, carte d'accès requise. Oh merde. Je crois que je vais me faire démonter. J'ai pas la carte d'accès. Oh, j'ai pas la carte d'accès, sérieusement.
Ah oh, putain, ça va commencer, je vais me faire démonter. Trouver Samuels. Je peux passer là-bas, c'est la porte carte d'accès. C'est l'un d'eux qui a la carte d'accès, non? Ouais, je peux imaginer que c'est ça. Bon, on va essayer de les péter un par un. Oh merde. Ah, je suis un merde. Oh merde. Putain, lâche-moi! Allez! Ah merde! Oh. Il m'en reste encore une. Bon, j'en ai plus qu'un à péter. Allez, on va se faire comme ça. Je les ai tous pétés. Ils avaient peut-être une carte d'accès. Ah d'accord, c'est pour ça. C'était donc pour ça. Allez. Mettre kit. Alors je suis curieux, les cocktails Molotov, je pense que ça leur aurait rien fait à mon avis. Moi ouais, j'ai l'impression que non. Je sais pas si je peux me soigner encore ou pas. Ah bah non, de toute façon. Ça m'aurait bien aidé d'avoir. Je vais crafter. Pack de recharge. Hop, hop. De toute façon, je récupère tout ce que je peux. Hein. Voilà. Je vais regarder. Non, amorce, c'est mort. Méthanol, c'est mort. Bon, on va chercher. Oh, j'y crois pas. J'ai entendu encore un truc là, non? Honnêtement, je les ai tous butés. Il n'y a personne qui a rien à me donner. La loose. Oh, heureusement, ils étaient tous regroupés, hein. Heureusement que j'avais des mini-EM. Bon, je sais pas du tout à quoi ça servait les flammes, hein. Finalement, ça les a pas ralentis du tout. Bon, j'ai mis du gaz, mais je voyais pas l'intérêt. Ils m'ont rien donné, les bâtards. Hein. Ok, j'ai la carte magnétique maintenant. Allez, go. Ah putain, il y en a encore un. Cela dit, je sais pas s'il est méchant ou pas celui-là. J'en sais rien. Je vais essayer d'aller sauvegarder tranquillement. Alors. Bon là je vois rien. Je
C'est pas le machin, il bouge pas. Allez, hop, on va sauvegarder. Ok, super. Bah, ça dit, je sauvegardais, j'étais pas loin. Hein. Établir le courant. Synthétique d'eau et langue mutanie enregistrée. Tentative d'accès non autorisée. Il est méchant ou pas avec moi, lui? Ah non, il réagit pas. Éteindre. Ok, je vais aller regarder par là. Ah bah il est pas là, visiblement. Alors, Samuel s'est rendu au labo Android pour consulter Apollo. Trouvez-le et apportez-lui de l'aide. Bah, il s'est barré, l'enfoiré. Chier. Ok, bon bah j'ai plus qu'une chose à faire là, hein, c'est le désactiver le truc. Faudrait quand même ce bâtard. Suivre Samuels. Trouver Samuels en Sixon Synthetics. Bon. Bon bah allons-y, hein. Hop. La salle d'orientation. Ok. Oula, quand il y a des sas comme ça. Oh, pardon. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait un point d'intérêt là derrière? J'ai rien vu. Ok, allons-y. Ça marche pas. Super. T'as dit quoi? Rien. Juste une couille de plus sur cette station. La routine. Que je dois faire? Ah ouais, j'étais en dessous avant. Panne d'électricité. C'est génial de trouver Samuels. Ah bah il est tout là-bas. Monter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, monter? Super, monter. Je comprends pas. Ah d'accord, à ce point-là. Ok. Une action textuelle, super, j'aime bien parce que... Merde. Casse geler les burnes. Allez, go. D'accord, bah merde. Allez, go. Bon, on va faire ça, hein. Par contre, je peux je dois partir après. Ça sert pas à droite, là? Ça sert juste quand je passe. Descendre. Monter. Ok, hop, go. Gratte la tête là. Alors non, je peux pas aller à droite, je vais aller à gauche. Désistant. Attends, je vais laisser que ça refroidisse.
Allez, go. Sauter. Moi, je vais éviter de redescendre, je pense, mais... Ah bah, on en fait du chemin. Grimper. C'est bon, je suis tout en haut, ça me suffit, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Fumigène. Ah. Pas d'électricité. D'accord. Allons-y gaiement. Ok, on est où? Oh bah merde. Bon, je sais pas si je pouvais descendre, mais... Descendre à l'échelle, je sais pas si ça aurait eu un intérêt. Non, allez, on s'en fout. J'entends un truc de sauvegarde là. Alors oui, c'était un petit peu trop calme, n'est-ce pas? Mon rapport dans le processeur d'Android. On a un problème. On a des victimes androïdes et humaines sur la station. On vient de me signaler qu'un androïde a été amené à l'APTC avec une lésion à la tête. Mais il est couvert de sang. Du sang humain. J'ai alerté les marshals et placé ma secrétaire en lieu sûr. Je me dirige en ce moment même vers le transit. Je vais demander à un lambda de consulter Apollo. Et c'est peut-être qui est le foutu responsable de tout ça. Ok, sauvegarde. Hop, très bien. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? Ah bah tout droit, ça me permet de... Attends, je vais déjà aller voir là. Utiliser le levier, ok, bah je vais l'utiliser après. Je vais explorer déjà là. Moins j'ouvre de porte, mieux je... Enfin, moins j'ai de surprise, hein. Tant que j'ouvre pas de porte. Tiens. Ça met nous ce conduit. Alors j'y vais avant même d'avoir essayé d'ouvrir la porte. Oh, fait légèrement sombre dans la salle là, non? Émetteur de son. Pile de la lampe torche. Ah, visiblement c'était un truc bonus. Bizarre, un émetteur de son comme ça. Il m'en refile un peu tout ce qu'il faut. Bon, allez. Je vais changer les piles, comme ça. Hop, je récupère celle-ci. Pas me faire chier. Allez. C'est parti, on y va. Ah bah, fumigène. De toute façon, j'ai rien à crafter là, si. Ah si, mini-UM, ouais, si je peux en refaire, c'est vrai. Ce serait pas une mauvaise chose. Ah. Ennemi proche. Plutôt bizarre, non? Ok. Ah oui, c'est les fameuses manettes que je dois faire au clavier. Franchement. Bon, ça y est, je pense qu'il y avait un moyen de corriger ça, mais... Allez. J'ai moins de temps à faire ça. Ah merde. Synthétique caméra. Je vais éviter de faire du bruit. Je sais pas si ces saloperies bougent.
C'est une blague ou pas? Des idées d'étranges. Et oh. Ah non. En plus de mes nombreux stages, putain, ça recommence. C'est des burnes. Je peux pas les annuler, ces connards là. Oh, je peux pas me cacher. Merde! Vas-y, je vais pas crever. Fais chier. Ceci est une violation de la sécurité qui ne sera en aucun cas tolérée. Ne courez pas. Merde, fais chier ça déjà. Absolument pas autorisé. Veuillez vous laisser d'interférer. Ceci n'est pas autorisé dans cette enceinte. Vous serez protégé comme promise. Super, t'as le truc de la caméra qui passe en dessous. Courir peut provoquer des accidents. Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de faire. Ok, je vais me déplacer comme ça. C'est dommage parce que j'ai pas pu explorer du coup. J'ai pas du tout pu explorer ce qui s'est passé là. Un reroutage, ouais. C'est pas grave. Hein. Ou alors, bref, j'ai pas envie d'utiliser ma dernière mine. Parce que j'en aurais peut-être besoin après. Hein. À mon avis, il y en a plein là. Ah merde. J'ai pas fait demi-tour quand même là. Non. Grâce à Sixon, quelqu'un est toujours là pour vous aider à chaque étape du chemin. Merde, si je sors là. Je vais sortir là, on va voir. Ah, il retourne sur le lit, d'accord. Ok, donc je peux peut-être... C'est ça, désactiver les caméras déjà. Je sais pas si c'est parce que je fais du bruit ou pas. Automatique. Je sais pas. Il y en a au milieu qui s'est pris s'est fait dézinguer apparemment. Oh merde, mais c'est de là d'où je viens, non? Ah, faut que je traverse les différentes salles, merde. Sérieux? Pourquoi l'alarme s'est activée? Attends, j'étais loin. Hein. Surtout, j'ai même plus d'où je viens. Je sais pas s'il y a un intérêt que je passe par là en fait.
Ok. Peut-être même mieux que je reste en dessous, non? Je sais pas quel est l'intérêt j'ai en fait à monter. Ouais, je sais pas du tout. Aucun, je crois en fait je monte, mais ça sert à rien. Ah d'accord, merde, j'ai un truc à activer là-bas. Je peux pas désactiver la caméra. Si là-bas. C'est bon, je désactive. Il n'y a pas de symbole là. Si. Alors, là et là. Allez. Essaye de passer discrètement. C'est con, j'aurais pu prendre en fait la bouche d'égout jusqu'au bout. J'ai l'impression. Allez, c'est bien. Il est en face, non? Dire. Alors, est-ce que je peux crafter un truc en attendant? Non, je crois que j'ai tout mis partout. Oh, ok. Je suis au bon endroit là? Ouais, pas de doute, hein. Merde. Question, c'est qu'est-ce qu'il est en train de foutre, quoi? Je pense que ça va pas être joli. Merde. Établir le courant. Ouais. Surveille quand même, on n'est jamais trop prudent. Je vais utiliser la chambre de reformatage. C'est la seule option. J'ai dû dévier une partie de l'énergie de la zone. Ma chance. Ouais, qu'est-ce qu'il est en train de foutre, putain. Désolé, mais il l'a claqué à main nue, hein. Il a claqué un synthétique à main nue. Mec, il est pas normal. Bah, je fais quoi? Je tourne en escargot là? Sa porte qui était fermée? Non, toujours pas celle-là. Ah, sauvegarde. Allez, hop. Oui. Bien le courant. Samuels, c'est trop dangereux. Oui, c'est bien trop dangereux. Souhaitez-moi bonne chance. Samuels, non! Qu'est-ce qu'il fait cet imbécile? Il va falloir le buter, non? A été purgé. La créature n'est plus à bord. La station est en sécurité. Demande la suspension de toutes les opérations de confinement de danger. Allez, connexion non autorisée. Ripley, Apollo est en train de me repousser. On a peut-être un problème. Samuels? Apollo essaie de m'empêcher de communiquer. Oh non!
Amanda, vous devez absolument déconnecter les systèmes manuellement. Je vous en prie. Samuel, je vais essayer. Attendez. Vous devez le faire dans le bon ordre. Sinon, la chute risque d'être mortelle pour moi. J'essaie d'accéder au schéma de Sixon. Débranchez le câble rouge en premier. Ok. Rouge en premier. Personnel humain, veuillez évacuer. Ceci n'est pas un exercice. Quelqu'un voit un câble rouge? Ouais, j'ai plus de... Abusé, j'ai plus rien pour charger ma lampe. Oh, mais il est bleu ou il est quoi, là, le câble, là? Qui c'est qui voit un câble rouge? Il est rouge, là? Je sais rien, moi. Là, il est rouge, là, non? Ensuite, cherchez un câble bleu. Vous le voyez? Ouais, il est là. Et là, il va te dire que c'était pas celui-là. Là, j'entends des trucs bizarres derrière moi. Je l'ai. Bleu déconnecté. Après? Je commence à avoir du mal à accéder au schéma. Apollo ne facilite pas la tâche. Qu'est-ce qui se passe dehors, Ripley? Les lumières d'urgence se sont allumées. J'arrive pas à différencier la couleur des câbles. Il va falloir me guider. Le suivant devrait être branché dans une prise murale. Je me souviens qu'il y avait un chariot retourné à côté. Une prise murale. Là. Ah. Il en reste encore deux, Ripley. Cherchez un panneau de sol ouvert. Il devrait y avoir un android désactivé pas très loin à côté. Ouais, il est là. Je désactive celui-là. Allez, tant pis. Je l'ai, ça fait. Plus que le dernier maintenant, Ripley. Allez. Oh, oh, oh. Ah, bah dis donc. Samuels, vous êtes en train de mourir. Vous parlez comme si j'avais vraiment vécu. Je vous en remercie. Samuels. Le transit d'Apollo est ouvert. Une fois que vous serez dans le noyau, il vous parlera. Vous avez fait ça pour moi? Qu'Amanda Ripley puisse tourner la page. Ah bah non, merde. Il a crevé, faut croire. Samuels, putain, ils vont vraiment tous crever. Ricardo, si t'es là, réponds. Je suis là, pardon. Samuel, c'est mort. Merde. Il a ouvert le transit d'Apollo pour moi. Je vais y aller directement. Je vais faire en sorte qu'Apollo lève le verrou. Il a le transit privé vers le noyau d'Apollo. Oh. Ouais, il y a un truc de sauvegarde à gauche là. Je vais quand même aller sauvegarder. Je suis juste à côté, hein, donc... Pauvre Samuels, putain. Ouais, donc c'est bizarre, je comprends pas pourquoi il a réussi à fracasser un androïde comme ça à main nue. Bon. Il y allait peut-être un peu fort, je sais pas. Oh là là. Ah bah tout est ouvert maintenant. Les portes sont ouvertes. Bon. Tiens, il y a une porte là-bas, c'est quoi ça? Point d'accès à la sécurité. Ah oui. Oh pardon, parce que je dois faire demi-tour, c'est ça. Je vais regarder ce truc de sécurité. Je vais marcher un peu plus vite. Ah. Peut-être des petits trucs à récupérer. Hop. Hop. Qu'est-ce que je suis bon.
Ah putain, bah voilà, suffisait que je le dise. C'est parce que j'ai pas... J'ai pas appuyé sur la gâchette pour aller à droite. Hop. Hop, ça c'est bon. Le V là. Et... Là, c'est bon, nickel. Une petite pièce sans prétention. Disparu. Excusez. Ah oui, c'est parce que j'ai ramassé des plaques. Camelot. Ok, il n'y a rien d'autre. Je peux rien crafter. Non. Ok, on est bon. Pauvre Samuels. Par contre, je sais pas ce qu'elle est devenue, la fille à Taylor, là. Ok, faut que je fasse demi-tour. Par contre, est-ce qu'ils sont encore désactivés ou pas, ces connards? Ah bah lui, il n'y a plus de tête. Il veut encore me buter ou pas? Ah ouais, je crois. Ah putain. Ouais, bah c'est bon, je me fous, je trace. N'hésitez pas à me demander des renseignements sur les protocoles de sécurité Sixon. Ne devriez pas être ici. Ça, c'est une violation. Oh putain, mais c'est pas... Mais je savais en plus qu'il était là. Merde, je suis pas crevé comme ça. Allez, dégage. Il y en a combien? Je me tire, moi. Ça vaut mieux marcher à ce par là. Ville transit privée vers le noyau d'Apollo. Ouais, bah écoute. Allez, putain, mais cours! Je te avance. Qui c'est qui a les boules? C'est moi parce que je viens de me mettre dans une salle à la con. Ah, j'aurais dû aller à gauche. Ah non, il fallait que je descende peut-être, non? Transit privé. Ouais. Ouais, c'est dommage. Je viens de me piéger comme un con. Bon, c'est pas grave, on y retourne. Vous allez vous faire mal quand vous demandez des renseignements sur les protocoles de sécurité Sixon. Ils sont juste en face, sérieusement. Ah. Courir peut provoquer des accidents. Et il se barre. Quoi, je peux les blesser? Ouais, de toute façon, je m'en sers jamais du revolver, alors. Ils repartent se coucher, ces connards? Ah bah non, ils restent là-bas. Vous et moi allons nous entretenir au sujet de la sécurité. Ah. Je veux vous aider. Ouais, je vais me les faire comme ça, c'est pas grave. Ah, de deux. De toute façon, je m'en sers jamais de mon revolver, alors. Toi, tu permets? Tiens, dans ta gueule.
Attends, fais-moi les marioles, là. Bande de bâtards. Voilà. Et me donne rien, ces enfoirés. Putain. Bon, ça veut dire que je peux aller... Je vais essayer de retourner dans la salle, alors. Parce que si je les ai tous butés, maintenant... Ouais, je pense que je vais retourner dans la salle, tranquille. Ça permettra d'aller explorer. Tranquillement les bureaux, j'imagine. Ouais, puisque lui, il est mort. Ah, maintenant, il y en a de nouveau un, là. Putain. Pas grave, je vais désactiver celui-là. Explorer tranquillement. Voilà. Bon, en fait, il n'y avait rien à prendre. Ben, c'est de la camelote, bon. Non, on va rester comme ça. Ah putain, sérieusement. On a changé d'arme, le con. Allez, viens voir tes copains. Allez, allez, allez. Rentre. Cette alerte n'est absolument pas autorisée. Veuillez cesser d'interférer. On va te finir comme ça aussi, toi. Hein. Vous n'avez pas le droit d'être là. Voilà. Hop. Allez, je vais y arriver maintenant peut-être. Je vais bien aller explorer cette salle là. En toute tranquillité. En espérant qu'ils réapparaissent pas tous. Oh, il y en a nouveau un là. Ouais, ok. Bon, ouais, c'est bon, allez. Ouais, j'ai tout exploré, c'est bon, allez. On s'en fout. Au final. Allez, on va arriver à se barrer maintenant. Bah alors, qu'est-ce qui se passe ? Je sais qu'il tourne plus. Bon, merde. Hop, ok, on sauvegarde. Il veut plus, hein. Il veut plus tourner mon joystick. Ok, je vais te redémarrer, hein. Ah voilà. C'est bon. Bon, j'ai plus que la moitié de ma vie maintenant. Transit. Ah, attends, j'ai entendu quelque chose. Je viens de trouver un truc, un enregistrement. Faut que t'écoutes ça. Vas-y, balance. Toi, c'est Marlon, c'est bien ça? Ouais. Moi, c'est Taylor, chef de secteur chez Wayland Duty. Oh, là, la grosse artillerie. Elle est passée où, la gamine, avec des problèmes d'identité? C'est très clair en dehors de ça. Elle cherche juste des réponses. Moi, je veux plutôt préserver les intérêts de Wayland Duty. Et moi, je voudrais bien sortir de cette foutue cellule. Peut-être qu'on peut s'arranger. Peut-être. Je sais pas si t'as remarqué, mais notre conversation est enregistrée. J'ai vu. Il y a la petite lumière rouge. Il me faut des données. Les coordonnées du planétoïde où vous avez trouvé l'épave. Toutes les données que vous possédez sur les origines de cet organisme. Je peux te donner tout ça. Et aussi un moyen de sortir de la station. Faut juste que tu me fasses sortir. Ta proposition me paraît acceptable.
C'est quoi ce bordel? Taylor, fais-moi sortir de là, tout de suite! Fais-moi sortir! Taylor, putain. J'ai entendu. Merde. Utiliser le transit privé vers le noyau d'Apollo. C'est bizarre, j'étais pas au bon endroit. Fallait que je descende au moins, non? Il y avait une porte par ici? Je pense pas. Là, il y aurait rien eu. Bah non, à mon avis, c'était là. Non, je dois prendre l'ascenseur et puis basta. Hein. Hop. J'ai même pas vu ce qu'il m'a indiqué, merde. J'ai pu au moins faire l'effort de lire. Ouais. Taylor, putain, pas fini cette histoire. Ah voilà, utiliser le transit. Le transit privé d'Apollo est disponible. Embarqué à destination du cœur d'Apollo. Toujours ce machin, il bouge pas lui là-bas. Je sais pas s'il a bugué. Alors, c'est lequel? Ah, en face là, sûrement. Lui, c'est bizarre quand même qu'il est bugué, non? Ah non, il a planté. Enfin, je pense qu'il n'y a rien. Je peux interagir avec lui, donc. Bon, on va le laisser. Et on va aller se barrer à Apollo. À Popopolo. Ouais. Merde, c'est laquelle la porte? Transit de sécurité d'Apollo. Bah, je sais pas où je dois aller en fait. Ils vont tous au même ou... C'est quand même con hein. Parce que là il y a rien marqué. Ouais, ou les deux vont au même peut-être. Tower Link. Pas du tout. Bon, écoute, je vais les appeler, on s'en fout. La question, est-ce que je peux en appeler deux en même temps? Ah non, verrou du transport actif, d'accord. Si vous jugez notre service de transit défectueux, veuillez remplir un formulaire à votre disposition. Votre sécurité est au cœur de nos préoccupations. Veuillez reporter immédiatement tout dysfonctionnement dans le transit. Allez, on va prendre le tram. Navette à destination de l'unité centrale voilà. Apollo, Tour Saïmet de Sébastopol. Ok. Solution synthétique. Maillot d'Apollo. Un chemin vers l'étage inférieur. Super, bon. Ah, on est encore dans une nouvelle carte. Cœur d'Apollo. Ça en fait des cartes, hein.
Orsomiel, ça fait en sorte que vous puissiez consulter Apollo, mais l'accès à son noyau doit être obtenu au centre même de son unité centrale. Ok. Allez. Petit point sur l'heure. OBS. Ah bah 50 minutes déjà. Ah, ça passe vite, hein. Allez, je vais stopper cet épisode-là. C'est vrai que ça fait des jalons, hein. Allez, à plus. Ciao.